Oui, bon, j'ai regardé ta vidéo, je suis pas convaincue. Comment reconnaître un HP? Bon. Oui, il y a des filles, il y a des garçons. Le terme enfant précoce, bon, on comprend qu'on l'abandonne un peu parce que. Mais comment les reconnaître? Alors voilà, de suite on dit, oui, mais de toute façon, ils comprennent tout, ils savent tout, ils ont compris des choses qu'on comprend pas. Donc pourquoi on les plaindrait? Et puis d'abord, voilà, ils partent avec plein de chance dans la vie. Fait, bon, oui, donc cette vidéo-là, non, bon, vraiment. Pour les psys, oui, bon, c'est vrai que les gens dans l'ensemble, ils aiment pas qu'on soit mieux qu'eux. Ou alors, faut qu'on soit vraiment, vraiment, qu'il y ait un transfert possible, quoi, que on soit une grande actrice, un grand acteur, et encore. Et encore, ça n'empêche pas les jalousies. Mais le psy, il est quand même utile, parce que bon, je veux bien qu'on puisse être HP et puis que tout aille bien, mais il peut se passer plein de choses dans la vie, donc un psy, ça peut toujours être utile. Alors c'est vrai que c'est pas forcément parce qu'on est haut potentiel qu'on va avoir un psy. Mais bon, moi, ça m'est arrivé une fois de parler à quelqu'un qui l'était. Il ne savait pas qu'il l'était. Moi-même, je me suis regardé devant le miroir et je me suis dit, mais au fond, est-ce que je ne serais pas HP? C'est toute la question. Donc en définitive, peut-être qu'on va voir le psy pour une chose et puis qu'on se retrouve en se disant, après quelques années, en définitive, je devais être à haut potentiel. Mais bon, je reste dubitative. Peut mieux faire. Allez, à la prochaine.